Le couvre-feu qui a pris fin le 9 mars dernier n'a pas été renouvelé conformément à la recommandation du comité de gestion de crise sanitaire. Aussitôt le couvre-feu levé, l'on constate que les mesures barrières sont foulées aux pieds. Pour en parler, nous recevons, comme je le disais à l'entame de ce journal, comme invité du journal ce dimanche 21 mars, le professeur Choua Ouchemi, coordonnateur national de riposte sanitaire. Professeur, la population a assimiler la levée du couvre-feu à l'abandon des mesures barrières. Peut-on dire que le coronavirus nous guette toujours? Oui, effectivement, comme vous l'avez relevé, la Coordination nationale de riposte sanitaire a fait une première évaluation après la levée du couvre-feu. Et comme vous l'avez dit, nous avons constaté que les mesures barrières ne sont plus respectées. Nous avons notamment constaté que dans les rassemblements sociaux, beaucoup de personnes ne portent pas le masque. Tout à l'heure, dans vos studios, j'ai regardé le journal en arabe, j'ai suivi le journal en arabe. Plusieurs services sont passés qui font voir des regroupements sociaux où les personnes sont sans masque. La distanciation sociale n'est pas respectée. Et nous constatons en ville que même au niveau des édifices publics, il n'y a plus les dispositifs de lavage des mains. Ou quand il y a le dispositif, il manque de l'eau ou du savon. Donc cela veut dire qu'il y a une baisse de la garde. Cette baisse de la garde nous préoccupe parce que le coronavirus n'est absolument pas parti du Tchad et nous craignons, en faisant cela, une baisse de la garde qui va faire venir une nouvelle flambée. Nous ne sommes absolument pas à l'abri de nouvelles flambées. Il ne faut surtout pas baisser la garde maintenant. Professeur, le variant sud-africain du Covid-19 se trouve dans un pays voisin. Avez-vous un conseil à donner aux Tchadiens en général et aux Ndjaménois en particulier pour éviter ce variant très contagieux, semble-t-il? Exactement. Le variant sud-africain a été retrouvé notamment au Cameroun, au Nigeria aussi. Il y a même un variant anglais qui est retrouvé également au Cameroun et au Nigeria. Et il y a également d'autres pays qui ont beaucoup de contacts dans le domaine notamment du transport avec le Tchad, où ces différents variants sont retrouvés. Comme vous l'avez relevé, ces variants sont extrêmement contagieux. C'est-à-dire que si par exemple le variant sauvage, disons, du SARS-CoV-2, du virus du corona, infecte 2-3 personnes en un temps donné, ces variants contaminent de manière beaucoup plus intense, jusqu'à 50%, 70% plus contagieux que la variante normale. Et donc, en un laps de temps, on peut avoir un nombre de malades qui est extrêmement élevé et ça va mettre en crise le système de santé parce que pouvoir soigner un certain nombre de malades, par exemple 100 en 1 heure, on peut le faire. Si c'est 300, ça devient difficile, ça devient incontrôlable et c'est pour cela que beaucoup de systèmes de santé de certains pays sont en crise. Et vous voyez que le taux de mortalité augmente de manière exponentielle dans beaucoup de pays. Oui, justement, comment faire pour éviter ce nouveau variant? C'est un, la prévention. Même le SARS-CoV, le virus initial, disons, est arrivé par voie aérienne. Donc, comme beaucoup de pays voisins ont déjà des variants, les variants peuvent toujours arriver. Pour y éviter, il faut observer les mesures barrières. C'est-à-dire la prévention doit rester le maître mot. Et les mesures barrières ont fait vraiment leur preuve. Si ce n'est pas le cas, on augmente les mesures qui font que le virus va circuler de moins en moins. Entre autres, ça peut être le confinement. Vous voyez de par le monde des pays qui ont confiné leur population. Pour nous, le confinement extrême est une mesure insupportable, intolérable, mais si on est porté à devoir sauver la population, on le fera aussi, mais il ne faut pas en arriver là. Nous avons vraiment la solution dans nos mains, c'est la prévention. Porter toujours son masque, respecter la distanciation sociale et
vraiment bien appliquer toutes les mesures sanitaires qui ont été adoptées depuis le début de cette pandémie. Il y a des compatriotes en provenance de certains pays ou partent de N'Djamena avec de faux résultats de tests Covid. Qu'en dites-vous? Bon, ça c'est des situations que nous déplorons. Nous avons en effet constaté que il y a un certain nombre de compatriotes qui viennent de certains pays avec des tests qui sont trafiqués, c'est-à-dire c'est des faux tests, où ils n'ont pas fait le test et ils arrivent à obtenir des certificats. Et dès leur arrivée ici, quand on fait des contrôles, on les retrouve positifs. Ou bien ils arrivent, ils laissent leur passeport, ils ne viennent même pas récupérer le passeport en disant les étrangers ne laissent pas le passeport à l'aéroport. Ce n'est pas vrai, c'est un faux débat. Les étrangers, il y a des conventions particulières qui font qu'ils signent sur l'honneur qu'ils vont respecter de faire le test à un moment déterminé. Pour les Tchadiens, ils font le test de contrôle au septième jour et ils reviennent retirer leur passeport. Ce qu'ils ne font pas, certains ne font pas, c'est à déplorer. Et puis nous avons retrouvé, et je pense que dans les prochains jours, vous aurez l'occasion de faire des reportages dessus, des réseaux parallèles ici à N'Djamena, d'agents véreux, d'agents de la santé et d'autres auprès des agences de voyage qui proposent des tests, des faux tests qui sont retrouvés au niveau de l'aéroport par nos agents. Donc ceux-là négatifs sont dénoncés. Ce sont des tests avec des signatures scannées d'agents attitrés, mais c'est des faux et ils le font derrière paiement, disons, d'une certaine somme. Et ceux-là sont consignés actuellement à la justice. Les enquêtes sont en cours pour certains. Et nous pensons qu'au courant de la semaine, des communications seront faites à ce niveau-là. Dans un passé récent, tous les tests Covid sont centralisés à N'Djamena. À quand les laboratoires adaptés à nos centres provinciaux de santé? Bon, de fait, l'année dernière, quand nous avons, au tout début de l'épidémie, il y avait un laboratoire à N'Djamena ici, qui a été d'ailleurs le premier laboratoire à avoir diagnostiqué la Covid au Tchad. Hein, il faut féliciter nos biologistes qui ont été capables, dès le 19 mars, de diagnostiquer le premier cas de Covid. Et après cela, et ce laboratoire avait une capacité de 75 à 130 échantillons analysés par jour. Donc vous vous rappelez qu'il y avait une période où on mettait 4-5 jours pour avoir les résultats. Et pendant cette année, le dispositif du laboratoire a été complètement incrémenté. Il y a 5 laboratoires actuellement à N'Djamena et 12 laboratoires dans les provinces. Et nous continuons encore à en placer d'autres dans les provinces. Cela fait que le diagnostic au niveau des provinces se fait au plus près des populations. Par exemple, à Abéché, on le fait pour la population de la province. À Moundou, c'est la même chose. À Sar, à Mao, à Doba, à Faya, à Pala, à Bangor, et vraiment dans beaucoup de provinces, ces laboratoires sont présents. Et donc les résultats sont centralisés dans la communication quand nous émettons le communiqué du soir, mais les résultats sont émis directement au niveau des coordinations provinciales. Le vaccin anti-Covid-19 est disponible dans certains pays comme le Sénégal. Où en est-on pour le cas du Tchad, professeur? C'est une question très intéressante et de l'heure d'ailleurs. Et le Tchad, comme beaucoup de pays, a participé à un dispositif qui est celui du COVAX pour mettre depuis le mois de juin 2020 à disposition de tous les pays des vaccins qui soient sûrs, efficaces et accessibles aux pays riches comme aux pays les moins nantis. Dans ce dispositif multilatéral chapeauté par l'OMS et par l'Alliance Gavi et d'autres partenaires, le Tchad a participé dès le début. Et il y avait un dossier à préparer. Et le dossier du Tchad a été préparé et placé parmi les tout premiers pour pouvoir avoir des vaccins dans le cadre de cette initiative COVAX. Et donc il y a deux, trois semaines environ, nous étions partis pour être parmi les premiers à être servis. Mais nos comités techniques, le comité scientifique et les comités ad hoc ici, ont émis des réserves quant à la qualité des vaccins qui devaient être disponibles pour le Tchad.
Donc, par mesure de prudence, nous avons attendu et nous avons eu raison. Au cours de ces semaines-là, les doutes qui devaient être clarifiés ont été en partie clarifiés, mais toutes les dispositions sont prises au niveau donc multilatéral dans ce cadre de l'initiative COVAX. Et au niveau national, il y a une commission nationale de coordination pour la mise à disposition, disons, du vaccin COVID qui est à pied d'œuvre tous les jours. Nous tenons des réunions bi-hebdomadaires pour le COVAX comme pour cette coordination nationale pour le vaccin au Tchad. Et donc nous sommes très actifs et donc par mesure de prudence, cette première mise à disposition a été légèrement retardée, mais soyez sûr que nous aurons un vaccin qui soit efficace, sûr et qui ne nous posera pas de problème. Peut-être un dernier mot pour en finir avec cet entretien, professeur. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de communiquer. Nous tenons au bout de 7 années de gestion de la pandémie, tout d'abord à vous remercier pour les opportunités que vous nous donnez à pouvoir communiquer et sensibiliser la population. Nous remercions le gouvernement, les partenaires, pour tous les efforts qui ont été faits. Tout ce qui est en train d'arriver actuellement au Tchad n'est pas un miracle. C'est dû à une organisation, c'est dû à des mesures sanitaires qui ont été prises très rapidement. Et il faut remercier, féliciter la population pour sa résilience, tous les médias et la société civile. Mais il faut dire également à la population que c'est vrai, elle a été résiliente, mais le corona n'est pas terminé. Nous ne sommes pas à l'abri de flamber. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à ne pas baisser la garde, à continuer à observer les mesures barrières, porter le masque en public, respecter la distanciation sociale, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, et pour nous les Tchadiens, ne pas se donner la main quand nous nous saluons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour rappel, nous venons de recevoir sur ce plateau le professeur Choua Ouchemi, le coordonnateur national de riposte sanitaire, avec qui il était question de relâchement de l'observance des gestes barrières contre le coronavirus, le variant sud-africain, le vaccin contre cette pandémie et bien d'autres aspects.